Le focus du jour, Focus. hein, voilà. Et ce week-end, on va mettre le nez dans nos contrats. Oui, bon, c'est jamais très joyeux de mettre le nez dans ses contrats, mais il y a peut-être une bonne affaire à faire. C'est pour ça qu'il faut aller plonger dans les contrats ce week-end, vos contrats de téléphone, vos contrats d'Internet, vos contrats de câble de télévision. Pourquoi? Parce que si vous avez envie de changer, peut-être parce que vous trouvez ça trop cher, parce que vous n'êtes pas content du service client, ça arrive assez régulièrement, c'est une des principales causes pour changer, ben vous allez en avoir la possibilité et sans pénalité. Parce que, vous le savez, depuis le 1er janvier, la TVA a changé. On est passé de 19,6 à 20%. Du coup, si votre opérateur décide de répercuter cette hausse sur votre contrat, donc de vous facturer un peu plus cher, il va être obligé de changer le contrat. Et s'il change le contrat, eh bien vous allez pouvoir demander la résiliation sans frais de pénalité, même si vous n'êtes pas arrivé à la fin de votre engagement. Donc c'est quand même une bonne solution pour s'en sortir si vous vouliez changer. Vous avez 4 mois pour pouvoir demander la résiliation, donc c'est quand même pas mal. Voilà, c'est une belle opportunité parce que vous savez que normalement, un contrat classique, on est obligé d'aller à la date anniversaire de la souscription. Donc on est souvent un peu prisonnier. Et justement, ça marche que pour les mobiles, ces trucs-là, et Internet? Oui, alors, téléphone, Internet, télévision, en fait, c'est les contrats sur lesquels vous avez de la TVA qui est appliquée, parce que sinon, effectivement, ça ne marche pas. Si vous avez par contre d'autres assurances, puisque vous me posez la question, type maison ou auto, il faut rappeler que vous savez, le projet de loi de consommation de Benoît Hamon, on en a pas mal parlé, il a été voté, il est passé, il va rentrer en application dans les prochaines semaines. C'est plus de droits pour les consommateurs, puisque maintenant, au bout d'un an, vous pouvez résilier sans pénalité votre assurance auto et votre assurance maison. Donc, vous voyez, c'est peut-être des bonnes affaires à faire en 2014. Bien.